Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit logiciel totalement gratuit qui en fait fait l'effet des guenards. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les guenards, qu'est-ce que c'est? C'est des lunettes coûtant entre 70 et 100 euros à peu près, spécialement fait pour les écrans. En gros, elles ont une sorte de verre un petit peu épais et jaune qui vous permet de moins abîmer vos yeux quand vous êtes devant un écran, et plus précisément un jeu. Souvent, et surtout de réduire l'effet d'agression de l'écran la nuit ou quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc c'est très pratique, ça protège vos yeux, ça fait que si vous avez besoin de porter des lunettes, ben vous pouvez les mettre et normalement vous voyez à peu près bien. Et si vous n'en portez pas, ben vous aurez moins besoin d'en porter quand vous serez plus vieux. Donc le logiciel en question, je vais vous le montrer. Donc vous le téléchargerez sur cette page que je vais vous donner, mais que c'est le site. Je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps et franchement maintenant je l'utilise tout le temps. Donc pour le télécharger, vous faites download tout simplement. Il marche aussi sur Mac, Linux, iPhone et iPad apparemment. Donc ça, je vous laisserai tester. Donc après on l'ouvre à Hungry. On le laisse faire et c'est tout bon. C'est directement il est installé comme ça. Donc comment il se présente? Il est comme ça, c'est un petit logiciel tout simple. Il est autonome, donc ce qui est assez pratique. Et en fait, il a un système suivant votre localisation que vous avez réglé dans Settings, je vous montre juste après, de jour-nuit. Alors je vais peut-être pas pouvoir vous montrer l'effet à l'écran parce que j'ai testé, on voit pas vraiment l'effet sur l'image. Mais je vous jure, je vous laisse tester de tenir, c'est tout simple de le mettre. L'effet est vraiment là. Donc, il y a un système jour-nuit. Il sait par rapport à là où vous êtes quand vous passez en nuit. Et quand on passe en nuit, en fait, il va pouvoir baisser la luminosité et vous mettre votre écran en jaune. Donc, dans cette ligne, on peut voir, là, vous pouvez changer votre localisation. Peut-être, tiens, je vous donnerai non seulement la carte de là où vous êtes assez précis, mais aussi vous allez pouvoir mettre directement vos coordonnées. Donc, ensuite, il y a la transition. Transition rapide ou transition lente, donc 20 secondes ou 1 heure, je conseille de mettre 20 secondes. Et là, vous allez pouvoir régler directement ce que vous voulez, donc que ce soit le jour. Donc là, c'est éclairé normalement, là, c'est très jaune et pas beaucoup moins éclairé quoi. Et la nuit, bon, là, on peut pas dépasser l'halogène apparemment. Donc, je sais pas si c'est cette version ou si c'est comme ça, mais on peut pas. Mais si vous voulez la nuit laisser comme ça, vous pouvez. Tenir. Ça change à peu près que dalle. Vous pouvez aussi mettre en mode film, changer la luminosité comme vous voulez depuis ici, donc c'est les trois barres, les options, etc., etc. Si vous voulez quitter le logiciel pour plus qu'il marche, faites exit. Sinon, bah, je vous conseille de ne pas le faire. En quoi c'est vraiment bien comme logiciel? Bah, tout simplement, ça fait le même effet que les guenards. C'est totalement gratuit, comme vous avez pu le voir, bon, je l'ai directement téléchargé. Il n'y a aucune arnaque, aucun virus. J'ai testé, j'ai pas de problème depuis que je l'utilise. Et franchement, je le conseille à toutes les personnes qui utilisent un ordinateur pour jouer la nuit ou même le soir. Parce qu'il est vraiment pratique. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce logiciel va vous plaire, qu'il va vous être utile. Et je vous dis à la prochaine.